Yo les gars, c'est ainsi, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo défi. Alors sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver absolument tous les défis qu'il y a durant ce chapitre 4. Donc s'il y a un défi que vous n'arrivez pas, vous allez le rechercher sur ma chaîne YouTube. Ou tout simplement, vous marquez dans la barre de recherche YouTube votre défi avec un espace and skew. Donc voilà, on va lancer la petite partie. Et évidemment, vous n'oubliez pas le code créateur NSU dans la boutique Fortnite. Ça m'aide vraiment énormément. Les gars, je suis un petit YouTuber de 5000 abonnés. Donc évidemment que ça va beaucoup m'aider. Je suis pas un gros YouTuber d'un million qui a vraiment 100 000 soutiens. Moi, j'ai déjà regardé combien j'avais de soutiens. Et vous allez être surpris, j'en ai zéro. Donc ça me ferait très plaisir que vous me souteniez. Parce que au lieu de faire une vidéo divertissante, moi, je vous fais carrément une aide, une vidéo défi. Je trouve ça cool. Comme ça, au moins, ça vous aide. Même s'il y a certains défis qui sont faciles, comme celui d'aujourd'hui, il n'est pas très dur. Même si il est un petit peu buggé pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Parce que regardez, moi, quand je vais dans mes paramètres, vous allez voir, c'est assez spécial. Quand on va dans nos paramètres, normalement, il y a une touche. Normalement, il y a une touche pour pouvoir faire le défi d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que je ne le trouve pas. Je ne trouve pas ma touche, alors que je sais que, ben, sur ma deuxième compte Fortnite. Ah, c'est là! Ok. En fait, cette touche, les gars, vous pouvez la changer seulement quand vous êtes en jeu. Quand vous êtes dans le lobby, vous pouvez pas la changer. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est la touche ouvrir le choix du renfort. Hop. Donc, vous êtes obligé d'être en partie pour changer cette touche. Donc, vous la changez parce que la touche de base, elle marche pas. Donc sur PC la touche de base c'est 7. Sauf que si vous appuyez sur 7 ça ne marche pas. Et si vous appuyez sur le deuxième 7 qui est dans votre clavier numérique, ça ne marche pas non plus. Parce que ben en fait le 7 qu'ils ont mis c'est un 7 américain. Donc il faut un clavier américain. Donc ça ne marche pas. Donc vous êtes obligé de changer votre touche. Ou alors si vous voulez pas changer la touche, et ben vous pouvez changer votre clavier en américain. Pour ce faire vous appuyez sur Windows et espace en même temps. Windows et espace, et ça va mettre vos claviers en anglais, normalement. Mais ça ne sert à rien de le faire en anglais, les gars. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais juste changez la touche quand vous êtes en partie, parce que dans le lobby, ça ne marche pas. Donc c'est parti pour ce défi d'aujourd'hui. On va atterrir dans un coin paumé, parce qu'on n'est pas là pour jouer la partie, on est là pour camper et faire des défis. Donc c'est parti. Évidemment, je vous le rappelle, il n'y a pas de montage, c'est tout en direct. Tout en live. Pourquoi? Parce que comme ça vous prouve que les défis vous pouvez les faire très rapidement comme moi en même pas 5 minutes. Ça vous évite de voir des vidéos peut-être fake parce qu'il y a certains youtubeurs, bon, je veux pas dire de nom, mais certains youtubeurs qui font des vidéos fake. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, vous avez juste pas à vous faire piéger. Donc moi, il n'y a pas de montage, comme ça vous voyez que c'est pas fake, je suis dans une partie, voilà. Tout à fait normal. Et puis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de montage. Évidemment, je suis sur mon compte secondaire, c'est pour ça que j'ai un compte, un petit skin Bambi. Parce que sur mon compte principal, où j'ai assisté le pass de combat avec le code créateur NSU, eh bien, j'ai déjà fini les défis. Parce que je les ai faits en avance pour pouvoir connaître les meilleures solutions. Et donc maintenant, je vais vous les montrer. Je pourrais vous les montrer sur mon compte principal, sauf que comme je les ai déjà faits, les défis, je trouve pas ça très cool. Alors que là, comme je les ai pas faits, c'est comme si je recommençais à zéro en même temps que vous. Hop. Je vous parle un petit peu en attendant, même si je raconte ma life, parce que le défi est un peu long. Vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'il fait depuis tout à l'heure? Eh bien les gars, vous êtes obligés d'attendre. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je parle et qu'on attend. Parce que pour faire ce défi, vous allez devoir attendre quelques temps dans la partie. Et puis vous allez voir sur votre écran, ça va apparaître. Donc soyez un petit peu patient. Ça va durer, je dirais, allez, 1 ou 2 minutes quand vous êtes dans la partie. Donc pour nous, là, on a déjà lancé la partie, donc dans même pas 30 secondes, un petit peu moins, ça va déjà commencer. Hop, donc on attend, on attend. Et donc on va faire le petit défi. Il va peut-être marcher. Ah voilà, vous le voyez. Vous voyez en haut à droite, enfin en bas à droite, vous voyez 5, 4, 3, 2, 1. Et bien c'est ça le défi qu'il faut faire. Hop, vous le voyez, c'est parti, il y a marqué prêt. Donc on appuie dessus. Et donc là, on peut choisir l'un des deux. Vous prenez au hasard, on s'en fiche. Et donc voilà, vous voyez en haut à droite, activer un renfort. Quête accompli. Hop, on va évidemment quitter la partie parce que l'on a fini notre défi. Donc voilà, c'est un petit peu long au début, mais vous inquiétez pas, c'est rapide. Hop, on récupère des petites étoiles de passe de combat, c'est très gentil. Et donc, on a fini la première étape
Je vérifie juste quelque chose, mais oui, ok. C'est bien validé. Du coup, on n'oublie pas évidemment le code créateur NQ, les gars, pour me remercier d'avoir fait toutes les vidéos des défis. Code créateur NQ dans la boutique Fortnite pour le pass de combat, le pouce bleu, l'abonnement, les commentaires. Allez, ciao!